Bonjour, je suis Robert Lemay, le compositeur de Sarajevo pour quatuor de saxophone. Composé en 1995, cette pièce est mon premier quatuor de saxophone que j'ai écrit. L'œuvre s'inspire du film Le regard d'Ulysse du réalisateur grec Théo Angelopoulos. Le film raconte le voyage d'un cinéaste, qui est joué ici par Harvey Keitel, qui se rend à Sarajevo durant le siège pour retrouver les bobines du premier film qui a été tourné dans les Balkans. Donc, au début de la partition, j'ai mis une phrase de Théo Angelopoulos qu'il a dit lors du Festival de Cannes en 1995. L'histoire de ce siècle commence à Sarajevo et finit à Sarajevo. Et c'est un échec. Il parle bien sûr du 20e siècle et il fait référence ici au déclenchement de la Première Guerre mondiale avec l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand en 1914, et au siège de Sarajevo qui avait lieu à ce moment-là dans les années 90. Une dernière chose avant de terminer, la pièce fut créée au Café Sarajevo à Montréal en 1996, et un réfugié bosniaque est venu me dire après la prestation que la pièce l'avait replongé dans dans l'atmosphère du siège de Sarajevo qu'il avait vécu quelques années auparavant. Donc, ça m'a beaucoup touché lorsqu'il m'a dit ça. Donc, vous pouvez voir que la pièce est très émotive, évocatrice et très intense par moments. Voilà, je vous souhaite une belle journée et une bonne écoute ou une lecture de Sarajevo. Au revoir.